忍び連合軍の術だ。Eh bien salut à tous et bienvenue, je suis Linklegis pour vous servir, et j'espère que vous allez bien, puisqu'on se retrouve aujourd'hui, en ce jour de Naruto, en ce jour d'aventure de la reprise, pas parce qu'on avait arrêté, hein, mais parce qu'il faut quand même continuer notre aventure, on se dirige vers le pays des vagues, puisque nous avions terminé... Un pays des vagues ou pays de la pluie Je sais pas, en tout cas on se dirige vers le pont Naruto, oui d'ailleurs c'est pas du tout par ici. L'habitude des jeux avec des zones qu'on peut passer comme ça. Mais bon, hop. Ah, donc c'était bien le pays des vagues, oui. Un énorme pont qui relie le pays des vagues aux autres pays, c'est une route commerciale importante et un chemin vital pour le pays des vagues. On y va. On continue un petit peu ce mode aventure qu'au final moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'aime bien. J'ai pas joué aux anciens Naruto Storm, mais ce mode aventure m'a l'air plutôt sympathique et moi j'aime bien. C'est le principal, j'ai envie de dire. En tout cas, on voit déjà un combat du passé. Nous sommes arrivés. On dirait que c'est en travaux. Le voyage a été long et il ne s'est rien passé. Alors Sakura, qu'est-ce que tu devais faire ici ? Ce que je devrais faire? Oh oui, je reviens. Je n'ai rien à faire du tout ici, mais c'est pas grave, d'abord je dois me calmer. Tu pars tellement avec la vivacité de l'antilope traqué, c'est un truc de fou. Sakura a l'air fatigué. Ce pont, il s'appelle le pont de Naruto? Oui, ils ont donné ce nom en mon honneur, c'est un peu gênant. C'est formidable Naruto! Il s'est passé beaucoup de choses ici aussi. Est-ce que tu voudrais bien me raconter? D'accord. Quand je suis devenu un Genin, j'ai dû escorter quelqu'un d'ici. C'est pour ma première mission de rang C. C'est là que j'ai affronté pour la première fois un ninja d'un autre village. Zabuza, Momoshi et Haku. T'as fait tout ça alors que t'étais seulement un Genin? Nous avons combattu Zabuza, l'un des sept épéistes du brouillard, et un garçon nommé Haku. Qui au début croyait que c'était une femme. Même si Haku était un ennemi, je sentais à certains moments qu'il était différent. Je me souviens. Et donc, ben on y va, hein. Combat contre Haku. C'est cool. Haku qui est un personnage que j'aimais bien. Enfin, je trouvais son pouvoir héréditaire complètement craqué. Mais bon, du coup, 60% des PV, 2 ninjutsu, un combo de 15, on verra bien ce qu'on fait. Ninja! Allez, là, tiens, comment je te contre, mec? Tu peux pas test, là? Vas-y, viens, vas-y, je t'éclate, viens, là, boum! Bon, ça se passe pas tout à fait comme ça dans l'animé, hein. Normalement Naruto se fait un petit peu éclater par... Ah ouais. Par Haku donc. Tiens. Ah ouais, t'es déjà revenu. Mais reviens je te dis. Vas-y, bouge. Au vol mon gars. Hop là. Aïe. Alors tu dis quoi de celle-là? Aïe. Aïe, oui, bon, d'accord. Ah, c'est bon, j'ai compris. Je fais plus le malin. Ah, j'ai pas de... Ah, oui, j'ai pas le coup... La technique secrète. Dommage. Allez, je te chope, mon gars. Bouffe. Ah, la contre-attaque. Pas cool. Ah, je me fais éclater, là-haut. Là, je l'ai mené pendant tout le combat, et là, je me fais éclater. Wouhou! Allez, bouffe, mon petit gars.
La chope passera pas. Oh. Allez, bouffe. Oh, on le finit même pas, quoi. Sérieux. Allez, j'aimerais bien te... Allez, mais viens. Touché. Raté. Vas-y, je veux te choper pour te finir. Bon, tant pis. T'es chiant. Tu crèves. Voilà, coup de genou dans la bouche. Non mais... Bah du coup je l'ai même pas touché avec un ninjutsu. Je sais même pas si j'en ai touché un. Hein. Mais deux, c'est sûr que non. Du coup, ouais, technique secrète inutilisable, j'avais pas fait attention. Du coup le petit rang A qui fait plaisir, hein, mine de rien. Un souvenir, blablabla, combat au pays des vagues. On obtient la carte de ninja niveau 150. Yappi. Yappi yappi. Du coup, normalement, le combat suivant, c'est du plus haut niveau, normalement. Et c'est pas forcément Naruto qui mène le combat, d'ailleurs. On va voir comment le jeu va le gérer. Il était très fort, mais nous avons réussi à le contrer. Ouais, contrer, vite fait, quoi. Puis l'employeur de Zabuza l'a trahi. Le combat a pris fin. Ah ouais, alors ça c'est du résumé les gars. Oh. Mais je garde toujours dans mon cœur le souvenir de leur mode de vie. Et ce que Haku m'a appris. Quand on veut protéger ce qui est précieux à nos yeux, on devient vraiment très fort. Alors tu vas devenir encore plus fort Naruto? Parce que tu as plein de choses à protéger? Hinata. Ouais t'as raison, il faut que je travaille dur pour devenir encore plus fort. Hein? On dirait que les choses avancent mieux que je le pensais. Ouais non, te fais pas d'idée, Sakura. Oh, Sakura, t'as fini ce que tu devais faire? Hein? Oui, j'ai terminé. D'accord, alors rentrons à Konoha. Bon, j'ai pas d'autre idée pour prolonger notre séjour ici, j'ai pas le choix. Si, tu la regardes et fais, mon dieu! Un corbeau jaune à pois vert! Je suis sûr, Naruto, il va le chercher, hein. Du coup, réussite de la zone. Enfin, de la zone, de la quête, pardon. Suite à un mensonge de Sakura, le survivant jusqu'au pays des vagues, Naruto se remémore son combat contre Zabuza et Haku, et se rappelle leur profonde combativité. Ouais. Nouvel événement a été débloqué. Ah, Konohamaru, qu'est-ce que tu fous là? Alors oui, le truc de Killer Bee, là, on va pas y aller encore, hein, parce que c'est une mission de rang S. En fait, j'ai juste regardé ce que c'était. C'est une mission de rang S, donc on va pas encore la faire. Donc voilà, je vous le dis. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, on a un combat fougueux là, non? Ouais, avec un réseau de la fougue, il y a un combat du passé là. Ok, bah y a pas grand chose à faire au final. Toi le corbeau là. Ouh, attendez. Oh, des pognons! Bon, Jacqueline. Ah, t'es le ninja qui participe au réseau de la fougue. Ouais, tu penses vraiment pouvoir vaincre un... Bref, me vaincre. Tu devrais pas sous-estimer le niveau 3. Alors, contre Tenten et Ino. Eh ben, allons-y. Bon, si t'es sérieux, voyons ce que t'as dans le ventre. Montre-moi que tu as du cœur. Tu vas voir mon cœur. Ou plutôt, tu vas voir le tien, une fois que je t'aurai tué. Mais bon, pour ce combat, on va utiliser... une équipe qui nous a été proposée par Isabelle Erdeven. Et l'équipe qu'elle nous proposait, c'est une équipe que moi, j'utilise moi-même. Qui était donc Hinata, Neji et Anabi. C'est une équipe full clan Yuga. Et vous le savez, parce que j'ai déjà dit plutôt pas mal de fois, à quel point j'adore le clan Yuga. Donc ouais, clairement, c'est une équipe que j'utilise régulièrement. Et que j'aime beaucoup. Raté. Non. Allez, t'en dis quoi mon 30 combos là, hein?
Il t'a plu celui-là? Hop là. Aïe. Oh, Tenten. Tenten, genre le personnage qui sert absolument à rien dans la série. Non, 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 hop là. Allez, Neji, défonce-la. Oh non, oh, Starnak. À une seconde près, je la contrerai. Ça dit, il a pas fait si mal que ça. Allez. Mais... Oh. Allez, on tente le combo. Hein? Vous êtes parti où? Bon, ben ça a touché. Et admirez donc. C'est pas trop la classe. Ça l'a même pas tué, je suis deg. Je suis complètement deg. Ouais, pendant qu'elle est comme ça. Eh, je vais peut-être perdre ce combat. Hein. Oh, je me suis tellement fait arnaquer. Je me suis tellement fait arnaquer, j'hallucine. Il lui restait un poil de vie. Même pas un poil de vie. Bref. On recommence. Bien sûr, tout ça, tout ça. Hein? Quoi? Ah oui, c'est vrai que du coup, c'est... Le jeu te met directement sur non, en fait. Je pense... Je trouve ça débile, mais bon. Du coup, bon, on va reprendre l'équipe, hein, parce que la vengeance, que faut pas déconner. Ah, mais j'en reviens pas. Bon, cela dit, le coup combo, la fin secrète combinée, je la trouve tellement classe, avec, bien évidemment, Hinata, Neji, Hanabi, plus le père de Hinata et Hanabi, qui se ramène, et c'est la fête, quoi, c'est... Voilà. Raté. Ah, ouais, bon, d'accord. Ok, je fais plus de malin. Non, faut que j'arrête de faire le malin. On a vu où ça nous a mené il y a 2 secondes. Allez, bouffe. Oh mais. Ah, je me suis tellement fait voler, j'hallucine. Bon, t'es chiante, Tenten. Allez. Et bouffe. Bon, t'as fini? Bon, j'espère que tu sautes moins partout, Ino, parce que là, ça commence à me saouler. Bouffe. Non, non. Je crois qu'elle m'a pas touché. Mais saleté. Mais arrête. Ah mais t'es... Viens ici. Viens. Ino. Au pied. Au pied, Ino. Non mais... Raté. Ah je pensais... Oh bah si elle l'a bouffé. Elle l'a bouffé quand même. Non, 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 non. Oh oui. Et bouffe. J'aimerais tenter d'esquiver ça. Bon, c'est bon. Heureusement, Neji les a arrêtés.
Nope. En fait, j'aimerais remplir la barre de... La barre Storm, donc qui est en dessous de la barre de chakra, donc la barre rouge qui vire au jaune, si vous le voyez. Voilà. Ok, nous a évité tous les trois. Super. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison. Non, mais... Ça, c'est fait. Tellement stylé, j'adore. Ah, je me lasserai pas de le voir celui-là. Clairement le clan Yuga, qu'est-ce que j'adore. Un petit rang S en plus, ça fait plaisir. Mais bon, du coup, retour sur la map, et on va faire le combat de la mémoire, et ensuite on va voir ce qu'on fait, tout simplement. Bon voilà, tu m'as surprise, t'as pas l'air, mais tu caches une... Blah, blah. Je vais faire mon rapport à Guy. Fais donc. Niveau 3 de Fougue, terminé. On a le titre, très gros sourcil. Le combat, il est là. Touché. Alors, ça va être quoi le combat? Ah, Zabuza, le démon du brouillard. Ah, du coup, est-ce qu'on va... Ouais, voilà, on va jouer Kakashi. Naruto trouva un moyen de vaincre Haku durant ce combat difficile, mais la lutte à mort faisait encore rage au pays des vagues. Kakashi, le ninja copieur, contre Zabuza, le démon du brouillard. Sans se préoccuper de la durée du duel, tous les deux continuaient à croiser le fer. Stylé. Gagner le combat, ouais, 20% d'attaque, 10% de défense. Deux projections, je pense pas qu'on les fasse. Deux ninjutsu, on peut tenter. Et l'achevage à la technique secrète, on va bien évidemment essayer de le faire. Je pense que c'est le seul que je vais vraiment à tout prix essayer de faire. Bah, c'est quand même beaucoup plus stylé, et puis on a des petites... des images secrètes à la fin, du coup, moi j'aime bien. J'aime bien débloquer des petites images secrètes. Et comme ça, ça me permet bah, tout simplement de vous les montrer, en fait, ces images. Faut savoir qu'il y en a... Je dirais, il y en a 4 ou 5 par personnage. Plus les images qui sont différentes sur les attaques combinées. Donc, comme on l'a vu, là, avec l'image avec Neji et Hinata. Tonton ! Hop là ! Les crocs traqueurs. Oulier. Salut Pacon. Allez, on va lui faire le deuxième. Voilà, comme ça on est content. On a rempli l'objectif qui était super compliqué. Hop là. Et de 1. Et de 2. Bon ben voilà. C'était trop facile. Ah, la contre-attaque. Allez, je te pète ta tenue, mon gars. Raté. Oulie. Saleté. Tu vas le bouffer. Oh oui, celui-là, tu l'as pas raté. Non mais... Le double Raikiri. Ah Kakashi. On le sait que t'es le plus fort de toute façon. Non clairement Kakashi c'est... Ça fait aussi partie des personnages que j'adore. Il est tellement emblématique, et pendant qu'on récupère la carte numéro 314, il y en a un petit paquet des cartes, hein, je crois qu'il y en a un truc genre 700 et quelques, voire peut-être plus. Je n'irai pas toutes vous les montrer, hein, parce que ça ferait un petit peu beaucoup, mais bon voilà, dans l'idée, il y en a un bon paquet. Terminer 5 combats de fragments, blablabla, ok, super.
15 combats de fragments sont maintenant disponibles. Waouh. Bah du coup, eh ben on va se barrer d'ici, hein. Mais non, rassurez-vous, j'ai pas dit on va se quitter. Retour à Konoha, du coup. Retour à Konoha. Va-t-on avoir une avancée dans l'histoire entre Naruto et Hinata? Je l'espère. Je sais pas s'ils vont... Comment dire? S'ils vont développer ça dans le jeu. J'aurais étonné qu'ils le fassent. Agréablement étonné qu'ils le fassent, d'ailleurs. Du coup, la map... Ouais... Ah, j'ai une quête droit devant... Voilà, le nombre de... Oh, le nombre de combats de mémoire, là. Waouh. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 combats. Ah oui, parce que je suis con, c'était marqué sur la map. Du coup, déjà... Bon, on va peut-être pas faire les 7 aujourd'hui, hein. Si vous posez la question, je pense que c'est assez... assez évident pour la réponse. Bon. Je vais d'abord aller rendre la quête, tiens. Ah, c'était Ibisu. T'as fait toutes les missions? Non. Visiblement pas. Faut que t'en fasses 15, je compte sur toi. J'ai rien dit. Ok. Je sais pas combien j'en ai fait en tout. D'ailleurs, on peut regarder normalement. Liste des missions ninja, là. Alors, on en a une, deux, trois... Quatre... 5, 6, 7, 8, 9, on en a 9, donc encore 6 et puis on pourra retourner le voir. Ok, je pense que les 7 combats là, alors je sais pas si, ah tiens, Guy d'ailleurs, je sais pas si on les fera tous en une seule fois, mais peut-être qu'on commencera à les faire la prochaine fois. La bataille a commencé, emporte-toi de la victoire de tes deux mains, blablabla. Ok, du coup ben... Pour le prochain épisode, je vais avoir besoin de vos équipes encore une fois, hein, puisqu'il y a 7 combats à faire, et que dans les combats fougueux... Ah mais non, c'est des combats... C'est pas les combats fougueux, c'est les combats de mémoire. Mais bon, j'ai quand même besoin de vos équipes, histoire de voir différents personnages, comme aujourd'hui, bah, on a vu le clan Yuga au complet, enfin du moins, les personnages jouables. J'ai encore une ou deux équipes de côté, mais... Eh bien... Il m'en faudra d'autres pour pouvoir mener à bien et choisir vos équipes. Maître Kakashi, nous sommes rentrés. Yo. Yo. Ah bah. bon travail. Comment ça s'est passé? C'était juste une lettre à livrer, simple comme bonjour. Allez. Rien d'autre à signaler? Rien d'autre? Ça quoi? Je suis désolé, je vous avais préparé cette mission pour nous, mais il ne s'est rien passé de spécial. Ah d'accord. Même Kakashi était dans le coup. Je m'y attendais, je savais qu'il ne se passerait rien. Je sais que tu es très occupé, alors j'ai choisi une mission facile. Ah oui, c'est gentil de votre part, je me sens un peu gêné maintenant. Ok. C'est qui? Shikamaru. You. Oh, t'es de retour, Naruto. Alors, comment s'est passé, Shikamaru? Mal, elle n'était pas là. Apparemment, elle est partie au village caché des nuages. Le village caché des nuages. Vous cherchez quelqu'un? Oui, Dame Tsunade. Ah ouais? Je voulais son avis sur la gestion du village. Tant pis, je lui demanderai une autre fois. On peut s'en occuper? Naruto, Hinata et moi, nous avons encore du temps libre, non? Hein, moi? Après tout, pourquoi pas? S'il y a bien quelqu'un que Tsunade-sama voudra écouter, c'est Naruto. Nana? T'as sûrement raison. Je peux vous confier cette nouvelle mission? Oui. Quand tout le monde est prêt, rendez-vous à la porte de Konoha. Eh bien écoutez, on va peut-être commencer à partir vers le village des nuages, du coup. Eh ben, tout s'est passé si vite, je n'ai pas su quoi dire. Désolé Naruto, mais nous comptons sur toi. Très bien. Naruto? Fais attention. Hein? C'est rare de t'entendre dire ce genre de choses. Ta vie ne t'appartient plus vraiment désormais.
Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Attention, tu vas être en retard. Ah là là. Ah là là là, Naruto. J'ai quand même l'impression de me laisser entraîner dans leur histoire. Peut-être que je me fais des idées. J'ai eu un soupçon d'espoir pour toi, Naruto, mais en fait, non, pas du tout. Peu de temps après son retour à Konoha, Naruto eut pour mission de se rendre au village caché des nuages pour ramener Tsunade. Malgré son embarras devant cette succession d'événements, Naruto partit à sa recherche. Bah écoutez, puisque le jeu nous dit qu'on part à sa recherche, allons-y. Allez, go. Est-ce que ça a rajouté des missions là-dessus? Des missions secondaires, j'entends, bien évidemment. Ça a pas l'air. Non, ça a pas l'air. Eh ben, go. Go, go, go. Direction le village des nuages. Du coup, j'ai un doute. Village des nuages. Village des nuages. Je suis en train de me demander, est-ce qu'ils ont un Kage, en fait? J'ai un doute. Bon, je vais pas dire de conneries, donc dans ce cas-là, je vais dire je sais pas. Ça évitera les conneries. Désolé aux fans et puristes de Naruto, mais j'avoue que là, j'ai un gros doute. Puisque pour le coup, ça fait un bail que moi, j'ai regardé Naruto. Du coup, avant de commencer cette série-là. Et du coup, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Ça reviendra. Hein? Y'a que toi, Sakura, ou Hinata? Elle va arriver. Ah, dans ce cas-là, attendons-la. Dis, En voyant le village aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'il a été totalement détruit, et plusieurs fois. Hein? L'opération de destruction de Konoha, puis la guerre, mais tout est redevenu comme avant. Tout le monde a travaillé dur pour que tout revienne à la normale. C'est remarquable. Ça fait bizarre d'entendre Naruto dire ça. T'as raison. En parlant de choses remarquables, elle aussi est remarquable. Qui ça? Hinata. Hein? Tu te souviens de Pain, non? Ah, c'est vrai, oui. Pain, le membre de la Katsuki qui a attaqué le village? Ah oui, en même temps, des Pain, il y en a eu qu'un. Enfin, façon de parler. Oui, quand je me suis battu contre lui, il m'a mis dans un sacré pétrin. C'est Hinata qui m'a sauvé. Et elle a failli en mourir. Oui. Affronter Pain était une idée folle, mais quand elle est venue m'aider... Elle n'avait pas l'air effrayée du tout. J'étais vraiment surpris. Oh, le combat, le combat, le combat, le combat. Ah ouais, le combat, j'adore. Hinata versus Pain. Bon, j'ai spoil la déroulée du combat, vu que j'ai dit qu'elle avait, elle avait failli mourir. Attaque renforcée plus 35%, utiliser une technique secrète et une contre-attaque. Ok, la contre-attaque c'est mort. Je sais les faire, hein, mais je sais pas les placer. Ah, Pain, j'adore ce perso, il est tellement badass. Pain et Conan, je trouve tellement stylé. Eh non, tu m'as raté. Tiens. Ah merde. Je pensais le toucher. Aïe. Oh, je me fais éclater. Aïe. Oui. Ah, je manque d'allonge. Eh non, tu ne feras pas ta répulsion. Raté. Tiens. Moi aussi, je vais le faire ça. Non, tiens. Ah. Mais. Oh, il m'a contré! Aïe! Saleté, il m'a contré! Aïe! Ah, j'y ai plongé dedans là, c'est. Ouais, c'est moi, j'arrive! Ah, je me fais. Ah, je me. En fait, moi aussi, je perds un peu de vie, mais je pensais que je me faisais plus éclater que ça.
Allez, viens ici. Ah, je te touche. Oui. Bouf. Eh, le combat est pas évident. Le combat est vraiment pas évident. Aïe, oui. Non, ma belle tenue. Ah, je pensais que t'allais avancer. Saloperie. Allez, viens ici. Oh, mais non. On commence pas à esquiver comme moi, ça va être chiant, là. Allez, tiens. Oh, mais non. Cela dit, il a plus d'esquive. Faut en profiter. Viens ici. Il a toujours plus d'esquive. Oh, mais saleté, tu mets... Oh, putain, là. Il a tout plein d'esquive. Ça y est, bon, c'est foutu. Ah, mais je me fais tellement éclater. Nyan, 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 nyan. Ah, mais sale... Tuant, voilà. Ah, mais il est chiant. Il est tellement... Ah, mais il est tellement relou. Vas-y, viens ici. En lui, tuant, là. Bouffe. Aïe, 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 aïe. Oui, non, 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 non. Ah, saleté. Bon, moi, ça m'a protégé des kunai. La compensation de fou. Allez, viens là. Ah, saleté. Allez, non. Oui. Oh yes. Oh, c'était chaud. C'était tellement chaud. Ouais, alors... C'était chaud. Rancé, tu m'étonnes. La vache. L'attaque de Pain. Et on a la carte numéro 609. Bon. Ben pour le coup, on s'arrêtera juste après... Parce que j'imagine qu'il va y avoir un dialogue, mais on va s'arrêter juste après ça. Parce que là, le combat Mileyu. Aïe, aïe, aïe. Elle a continué à se battre jusqu'au bout. En fin de compte, Pain était trop fort et elle a perdu. Néanmoins, elle a été incroyable. Tu devrais lui dire ça en face. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle serait heureuse de l'entendre. Ah oui, mais pourquoi je devrais lui dire tout ça? Ça changera rien au fait qu'elle est incroyable. Oh. T'es vraiment irrécupérable. Ah ouais, non mais tellement. Elle a tout entendu. Point, point, point. Ça ne nous dit pas pourquoi elle n'est pas là. Désolé, je suis en retard. Ah, te voilà. Oui, allez, on y va. T'as l'air particulièrement de bonne humeur. Je me demande pourquoi. Bon, peu importe. C'est... Allez, il est l'heure d'aller chercher mamie au village de... au village caché des nuages. Ok. Eh bien écoutez, nous c'est ici qu'on va s'arrêter avec ce petit rayon de soleil qui passe par-dessus l'écran, qui laisse une petite lueur arc-en-ciel, c'est magnifique, c'est sur cette poésie. Et après ce combat un petit peu compliqué qu'on va se quitter pour aujourd'hui, je le rappelle, n'hésitez pas à me donner des équipes de 3 dans les commentaires de cet épisode. Et évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir à cet épisode et à me proposer, comme je disais, des personnages, des équipes, etc. Tout ça, tout ça. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de cette aventure. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao!